Bonjour à tous l'équipe et bienvenue dans Foot News. Là, je ne vais pas trop vous prendre la tête, donc assieds-toi tranquillement, cale-toi bien, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre la cloche de notification pour ne surtout rien rater, mets ton petit commentaire pour aider au référencement et aider la chaîne, et n'oublie surtout pas ton petit jus de pruneau, parce que là, l'actu commence maintenant. On commence l'actu tout de suite l'équipe, visite médicale prévue pour Cristiano Ronaldo. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Man United, Cristiano Ronaldo, qui est maintenant âgé de 37 ans, se dirigerait vers Al Nassr, un club saoudien. Selon la chaîne américaine CBC, le club saoudien serait confiant et aurait même programmé une visite médicale pour l'attaquant portugais. Ce serait quand même ouf de ne plus voir Cristiano Ronaldo en Europe. C'est confirmé, Lionel Messi a pris une décision radicale avec le PSG. En fin de contrat en juin prochain, Messi aurait un accord de principe pour prolonger. Il s'agirait d'un bail d'une saison plus une en option avec un salaire supérieur à celui qu'il touche actuellement. Ça va, il est bien. Je pense que tout va s'accélérer à son retour en club et je pense qu'on on aura l'accord qui pourrait être annoncé d'ici quelques jours. Liverpool assure. 4 jours après sa défaite en coupe face à Man City, les Reds se sont bien repris et se sont imposés 3 buts à 1 face à Aston Villa. Arsenal renverse West Ham. Dans le cadre de la 17e journée, le leader de la Premier League s'est vu mener au score à la mi-temps. Puis les hommes de Mikel Arteta ont concrétisé leur nette domination. Ils se sont finalement imposés 3 buts à 1. Les Spurs ont eu chaud. Pour ce premier match de Boxing Day, Tottenham a arraché le nul face à Brentford. Menés dans un premier temps 2-0, les Spurs ont pu égaliser grâce notamment à Harry Kane. Newcastle en chef. Newcastle redécouvre le Boxing Day en tant que gros cylindré. Un match maîtrisé face à Leicester ce lundi après-midi, une victoire 3 buts à 0. Entre une première période létale et une seconde très contrôlée, Newcastle confirme leur ambition en Premier League et se positionne provisoirement derrière Arsenal. C'est officiel, Liverpool s'offre Cody Gakpo, le joueur de 23 ans en provenance du PSV Eindhoven va s'engager avec les Reds de Liverpool. Le joueur très en vue lors du Mondial 2022 s'offre un nouveau challenge. Lewandowski donne déjà son favori pour le Ballon d'Or. Pour lui, le Ballon d'Or 2023 sera Lionel Messi. Il dit « Bien sûr que le Ballon d'Or a déjà un propriétaire. Il y a peut-être un autre joueur qui joue dans le même club. Mais il n'y a que la Coupe du Monde qui décide qui va l'emporter cette saison. Et Léo Messi est maintenant en pole position. » Voilà ce que pense Lewandowski. Pour lui, le Ballon d'Or sera Lionel Messi. Merci beaucoup l'équipe, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !